Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yo-Kai Watch Busters 2 Sword. Non, Magnum. Oui, c'est Magnum, je crois. Je sais pas, de toute façon ça fait super longtemps que j'ai pas tourné parce que bah vous savez j'étais en France pendant 2 semaines et donc toutes les vidéos qui sont sorties étaient tournées d'avance et là voilà c'est bon je reprends les vidéos et je me souviens ce que je voulais faire. J'avais peur d'avoir oublié, enfin non je pouvais pas avoir peur d'avoir oublié mais j'avais peur d'oublier plus tard au futur. Bref, bon, en tout cas j'avais peur de ne pas penser qu'il fallait que je fasse ça au début de l'épisode, mais c'est bon je m'en souviens. Donc au début de cet épisode on va aller voir Grollo. Je sais pas s'il s'appelle toujours Grollo, parce que c'est pas le même quand même, il a quand même un vêtement d'un cas et tout, donc c'est pas Blingo, ça c'est sûr, c'est pas l'autre, je sais plus comment il s'appelle, le diamant, non le diamant c'est Blingo, comment il s'appelle le doré, je sais plus, bref, en tout cas c'est sûr que c'est pas eux, mais alors est-ce que c'est toujours Grollo? Je ne sais pas, faudrait voir les noms. Kashia Dokulo, oh Tore... Toregia, attendez, je vois très mal. C'est toujours mes yeux, hein, je vois très mal, mais. Donc, Gashia Dokulo, Toregia. Donc, alors, faut savoir que Grollos, il s'appelait déjà Gashia Dokulo en japonais, mais il n'y avait pas le T à la fin. Donc, en fait, je pense qu'en fait, c'est pas Grollos. Enfin, c'est un yokai qui doit s'appeler Grollos T. Voilà, je sais pas pourquoi T, ne me demandez pas. Mais bon, c'est parti. On va partir donc au Bingo Kai. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, là, ils veulent que je télécharge, mais non, je ne peux pas télécharger, ça c'est sûr. Mais non, mais... Ah si. Quoi? C'est quoi ce truc? Attendez, je dois jeter... Oh là 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 là, et je vais avoir quoi, moi? Attendez, les amis, laissez-moi des pouces bleus, là, pour la reprise des vidéos. Souhaitez-moi bonne chance, j'espère que ça va aller. Et... J'ai un bon truc, non? J'ai le 9? Ah non, j'ai eu le 3. Ah mince! Ah, je croyais que j'avais 9, mais non, j'ai eu le 3. Donc ça veut dire quoi? Que j'ai 3 essais du Bingo Kai aujourd'hui, c'est ça? C'est peut-être ça. Bah oui, c'est ça, en fait. Ouais, donc ça servait à rien que j'ai 9, puisque de toute façon, j'ai que 2 pièces de Bingo Kai. Donc, alors, là, on peut avoir des yokai pas mal. On peut avoir Siro, Vibrillion... Et un autre qu'on ne connaît pas, enfin qu'on a déjà vu dans Make a Watch Wibble Wobble. Et on peut avoir Sumushi ou des trucs nuls. Et là, on peut avoir, c'est qui lui? J'arrive pas à voir Fu Yunyan. Quoi? Fu Yunyan Noesu. J'en sais rien, ça a l'air d'être un nouveau Jibanyan. On dirait qu'on ne le connaît pas. Bon, les amis, on va y aller, on va essayer, j'espère qu'on va tomber sur au moins un bon yokai, ce serait quand même cool. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et moi, je fais quoi, là? Ah non, 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 d'accord, ok, là, c'est pour lire des pièces, ouais, ouais, non, non, allons voir. Donc là, c'est parti. En fait, maintenant, le Bingo Kai, c'est devenu une espèce de roulette, d'après ce que je vois. Et qu'est-ce que je dois faire, moi? Rien du tout. Ça choisit pour moi. Bah c'est nul. C'est vraiment nul. Mais qu'est-ce que c'est que cette roulette? Moi je croyais avoir un truc bien. Et ça c'est quoi? J'ai bloqué le jeu. J'ai crashé le jeu. J'avais littéralement crashé le jeu. Pour de vrai, c'était pas une blague. Ma console a redémarré. Donc bref, voyons voir. Est-ce que je peux toujours jouer au Bingo Kai malgré que ça ait crashé? J'espère. Ah oui je peux. Mais effectivement, la pièce que j'avais déjà jouée, bah je l'ai déjà jouée, quoi. Je l'ai toujours jouée. Alors, voyons voir. Ouais, d'accord. Ah, j'ai appuyé sur A. J'aurais peut-être pas dû. Mais c'est nul. En fait, faut essayer d'avoir le truc doré qui est là-haut, j'imagine, pour avoir des super trucs. Mais on a quand même très peu de chance. Bon, eh bien, ce nouveau Bingo Kai, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais je ne le trouve pas exceptionnel. Hein. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Bah, c'est surtout aussi parce que je perds, hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne le trouve pas exceptionnel. Mais attendez, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? On a un nouveau truc, oui, mais fallait être level 11. Mais non, ça, on le connaissait pas. Ouais, non, tant pis, c'est pas grave. Ah oui. On peut aller dans un nouveau donjon. Ah, mais on avait déjà fait l'un des big boss. Oh mais attendez, on va pas faire ce boss, il est nul. C'est même pas un big boss.
Ah, ça c'est vrai qu'il y a marqué New partout alors que j'en ai déjà fait plein, je comprends pas trop. Bref, et là on les a déjà fait. Ah, on les a tous fait. Bon, tant pis. Alors on va continuer, on va faire ce niveau. Allez, l'espèce de niveau de la montagne, là il y avait le kanji de la montagne, donc je ne sais pas trop. Je vous passe la cinématique parce que c'est toujours la même, hein. À chaque introduction de monde, ça change en fonction des mondes, mais quand on va dans le même monde, c'est toujours la même. Donc il n'y a pas besoin. Enfin, je vous la passe, quoi. Ça ne sert à rien de la refaire. Allez, c'est parti, les amis. Voyons voir. Et si je prends ce yokai, qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc il tape. Et bien entendu, il redonne de la vie. Donc ça sert à rien de jouer avec lui. Je m'en moque un petit peu de Salsalga. Je crois que c'est Salsalga. Alors là, on va sprinter. On va essayer d'aller au plus vite à la fin. Parce que bon, ça sert un petit peu à rien, comme j'ai dit, de traîner dans les niveaux. Ouais, d'accord, si vous voulez. Et j'ai pas revendu mes objets. Bien entendu, comme d'habitude. C'était obligé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Par contre, les coffres, faut les ouvrir parce qu'on peut avoir des pièces... Oh! On peut avoir des pièces de Bingo Kai, et ça peut être pas mal. Ça, c'est pas mal, 20. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Bon, je jette mes trucs, on en a rien à faire. Puis, on continue. Bon, je sais pas, je vais aller par là, je sais pas si c'est bon ou pas. Ouf! Attendez, est-ce que j'ai ce qu'il faut ou pas? Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Donc, allons-y. Détruisons ce truc. Et en plus, comme ça, j'ai tapé sur celui qui était derrière. Bien fait pour lui. Même s'il m'a rien donné, malheureusement. J'ai pas eu de chance. Oh! Ok, personne s'est fait avoir, ça c'est bien. Allez, 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 allez. Vas-y. Oh, une petite orbonie. Très bien, très bien. Ça, on a récupéré de l'eau. Oh! J'avais cru que quelqu'un était tombé. J'avais cru que quelqu'un de mon équipe était tombé. Là, j'ai eu une hallucination. Genre, pendant quelques secondes, j'ai pas bien compris. Alors, oh, c'est nouveau ça. On est dans un bateau pirate, stylé. Stylé, enfin j'ai l'impression qu'on est dans un bateau pirate. Si, c'est bien ça, non? Je ne rêve pas. Ouais, on dirait qu'on est dans un bateau pirate. Même si c'est pas l'idéal pour avancer. Oula, là, ils sont beaucoup trop à m'attaquer. Là, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il y en a un autre là qui m'attaque au loin. Ah, il y en a un qui veut devenir mon ami. C'est qui? Ah, je sais pas si je suis déjà son ami avec lui. Voyons voir, c'est pas grave. On va essayer quand même. Donc lui, c'est... Humidon ? Oh, je peux pas les différencier. Humidon, Freezer... C'est peut-être Freezer. Ouais, bah c'est trop difficile de les différencier. Franchement, si vous savez, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais c'est trop... Enfin, ils sont trop ressemblants, quoi. Il y a juste la couleur qui change, et encore, c'est pas comme s'il y en avait un qui était jaune et l'autre qui était rouge. Il y en a un qui est bleu et l'autre qui est bleu, quoi. Bon, vous allez me dire, c'est pas le même bleu, mais bon, ça n'empêche que c'est quand même pas suffisant pour moi, hein. Ok, super. On recharge ça, même si ça sert pas à grand chose. Je tue quand même les ennemis, hein, même si j'essaye de foncer à la sortie. Les ennemis, je m'en débarrasse parce que ça permet quand même d'évoluer nos yokai. Et donc ça, c'est pas négligeable. Bon, là, on va détruire un peu tout le monde. Ce serait bien en plus de devenir ami avec Sumochi parce que... Oh, redevenir ami avec ce yokai, sérieusement? Non, ça m'intéresse pas. Par contre, devenir ami avec lui... J'en parlais justement, ça pourrait être bien vu qu'il a une évolution. Allons-y. Ok. Super, c'est bien. Bon, allez, on va essayer de devenir ami avec l'autre. Ça nous coûte rien. Ça nous coûte strictement rien d'essayer. Enfin, faudrait que j'y arrive quand même, déjà, mais... Ok, super. Allez, rejoins-nous. Même si je sais que je m'en servirai jamais. Ouais. C'est bon, voilà. Déjà ami avec 3 yokai. Et pourtant, j'ai aucun yokai qui porte chance pour devenir ami avec les yokai. Donc c'est quand même plutôt pas mal, le ratio. Alors, la sortie serait-elle par là ou pas? Je ne pense pas. J'ai le sentiment que non. Bah, il y a un yokai qui vient disparaître devant mes yeux. Ah, c'est peut-être parce qu'il essayait de m'attaquer, mais qu'en fait, il est sorti de ma zone. Tout bêtement, ça arrive, ça. Ok, ils m'ont rien donné d'intéressant, c'est très bien. J'aime bien ce décor là. Ce décor genre en mode bateau pirate, j'aime bien. Alors, je vais pas dire que c'est un truc de dingue, mais c'est quand même pas mal. On arrive déjà au boss, non? Non, c'est juste le chargement encore une fois qui prend des années. Mais non, on n'arrive pas au boss. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est juste un coffre, d'accord. Ok, oh! Encore une belle arme, 24! Waouh! C'est pas mal. C'est vraiment pas mal.
Un pistolet, d'accord, très bien, pourquoi pas. J'aimerais bien devenir ami avec l'espèce de baignoire, là. Mais elle veut pas de moi. Oh, 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 vas-y, toi, donne-moi ton objet. Qu'est-ce que c'est, pièce de bingo caille ou quoi? Oh, encore une belle arme. Très, très bien. 29. Attendez, non, si c'est 29, on va donner à lui, hein. Non, je donne aux meilleurs les armes, parce que... Sinon, ça le fait pas. Super. Alors, là, il y a un coffre. Encore? Mais il rigole pas là sur les armes. Ok, du vin, non, le vin c'est pas... Enfin, une arme de 20 points, c'est pas exceptionnel. Il y a plein de pièces, mais franchement, les pièces, ça m'énerve de les ramasser. Parce que je trouve vraiment que pour que ce soit rentable, enfin, il faut récupérer 100 pièces. Tant que t'as pas 100 pièces, ça ne sert strictement à rien. Et en fait, je trouve que la récompense qu'on te donne quand tu récupères 100... Enfin, quand tu fais le mini-jeu des 100 pièces, en fait, elle est pas... Comment dire? Enfin, elle est pas suffisante, quoi, par rapport au temps que tu passes à récupérer 100 pièces. Je trouve que c'est carrément pas rentable, quoi. Enfin, je trouve que c'est de l'arnaque, quoi. Tu passes extrêmement longtemps à récupérer les pièces et au final, t'as presque rien en retour, quoi. Donc, enfin, jusqu'à maintenant, j'ai eu presque rien. Donc, je trouve que c'est vraiment ridicule, quoi. Voilà, il y a beaucoup de yokai qui nous attaquent. Mais c'est pas grave. On va quand même s'en charger un peu parce que lui, il a un coffre. Donc, c'est déjà très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et... Ok, un petit pistolet qui ne sert pas à grand-chose. Bon, est-ce qu'on va la trouver, la sortie, là? Ça se trouve, elle est tout au début. Parce que tout au début, j'aurais pu aller à gauche. Non, j'espère pas, quand même. J'espère pas qu'ils l'ont mise là-bas, hein. Ah, mais là, mais il est gigantesque, cet étage, c'est incroyable. Là, ça pouvait pas être par là. Je sais même pas pourquoi je suis allé voir, parce que ça ne pouvait de toute façon pas être par là. C'était impossible. Bon, Komajiro, ce serait bien de le soigner. Ouais, elle veut pas le soigner. Et là, il y a rien. Bon, d'accord, très bien. Bon, la baignoire, elle veut toujours pas de moi, là? Non, elle veut toujours pas de moi, la baignoire. Elle ne m'aime pas. Elle veut pas devenir mon amie. Je sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Sugi quelque chose. J'ai pas réussi à lire jusqu'au bout. Ah, la fin serait-elle par là? Je le sens. Ah non. Bon, peut-être que si, hein, mais bon, on n'est pas encore au bout de nos peines. Cet étage est gigantesque. Je crois que jusqu'à maintenant, j'ai pas vu un étage aussi grand. Oh, c'est quoi ça? Oh, mais c'est nul. Bon, je vais quand même essayer, mais c'est un petit peu nul. Allez. Très bien. Et donc, ouais, c'est juste un truc qui permet de... Enfin, qui donne plus de chances de devenir ami avec les yokai. Vous m'avez dit ça dans les commentaires. Donc, je vais essayer de m'en servir, en fait. Attendez, si je l'utilise... Et si je l'utilise... Ah, d'accord! Ça donne plus de chances de devenir ami avec les yokai qui sont dans ta zone. C'est comme ça que ça marche. Ok. Eh ben, il en veut pas. D'accord, très bien. Je devrais faire ça une fois que je tombe sur Pitou. En fait, faut que j'attende de tomber sur un yokai comme Pitou. Et puis là, je l'utiliserai. Ok, y a rien d'intéressant. Oh, super. Vous allez voir que cette salle, elle rejoint l'autre salle qu'il y a là-haut. Donc ça m'intéresse qu'à moitié, en fait. Mais bon, on va quand même la faire en entier, parce qu'on ne sait jamais. Ça pourrait être la fin, là, hein. Ou pas. Oh, c'est ça, ça va rejoindre le début. Ah non! Peut-être que si. J'en sais rien. Attendez, d'accord. On est revenu ici. Super, c'est pas du tout ce que je voulais. Bon, on va aller par là. Là, on va aller voir à gauche, hein. On n'y est pas encore allé, donc... Déjà, il y a un coffre par là. Il y a même plusieurs coffres. Bon, essayons de les récupérer. Essayons quand même de voir. Ouh là là, il y a plein de yokai en plus. Donc ça peut être plutôt rentable. Ok, ouvre le coffre. Oh, un bouclier, bof. Un bouclier de 17. Ouais, c'est vraiment nul, en fait. Et ça, c'est quoi, là? J'arrive pas à voir ce qu'il y a là-dedans. Bah, on va l'ouvrir, parce que de toute façon, je n'arrive pas à voir, donc... Ok. Et c'est quoi, alors? Oh, un bouclier, d'accord, très bien. C'est vraiment nul. Un bouclier de 30. 39. Ah, c'est bien. Attendez, quelqu'un m'attaque, là. Ouais, bon, j'en avais rien à faire, en fait. Je l'ai laissé m'attaquer. J'en avais strictement rien à faire. Oh, ça, c'est un truc qui rend invisible. Mais ça, je connais, ça rend invisible. Donc, je m'en moque un peu. Et là, on a tout fait. Non, mais attendez, mais c'est pas vrai. Les étages qu'on est obligé de visiter en entier pour trouver la sortie, c'est assez chaud, là. Pourquoi je suis en train de tirer au pistolet? Ah, mince! Ah, j'avais pas vu que j'avais toujours le pistolet de sortie. Oh là là, je fais que de me coincer derrière les canons, là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, je fais que de me coincer derrière les canons. C'est un peu ridicule.
Me dites pas que c'est le petit chemin qui est en haut là. Parce qu'en haut, il y a un petit chemin que j'ai jamais pris. Non, ça va pas être ça, ça va être le chemin à droite là. C'est presque sûr. Ouais, c'est ça, ça va être le chemin qui est à droite là. Mince. Bon bah j'y vais. Ça devient notre... Ah oui, il devient notre ami, yes. Super. Ça faisait longtemps, je l'attendais lui, hein. Ok. Yes, du premier coup, j'ai rien loupé. Super. Bon bah merci, il est devenu mon ami. Même si je suis sûr que de toute façon, il va rien nous faire du tout. Et voilà, la sortie est là. Ce que je veux dire, c'est que ça va être un rang E. Je crois que c'est un rang E dans Weeble Wobble, donc on a un peu rien à faire des rangs E. Mais bon, quoi, c'est toujours pas la sortie. Mon dieu. Attendez, il y a un coffre là, ah oui. Je le voyais pas, mais c'est bon, il est juste là. Allez. Oh, encore une arme. Bon, ça peut être bien, mais bon... Ok, c'est 24. Ouais, bon, ça va, ça va. Non, mais là, je vais arrêter de ramasser des objets. C'est bon. Les objets, maintenant, j'irai les revendre entre cette mission et la prochaine. Il faut que je fasse ça. Ça m'inquiète à chaque fois que la musique s'arrête. J'ai l'impression qu'il y a un bug du jeu. Bah, déjà que le jeu est quand même sacrément buggé, mais alors... Oh, s'il y en avait en plus, quoi, ce serait pas cool. Ah, faut que je marche dessus, ça c'est cool, le savon. Ça nous fait aller plus vite. Enfin, je crois que ça nous fait aller plus vite. Ah, j'ai l'impression que je vais plus vite avec le savon. Bon, c'est peut-être qu'une impression, en fait. Mais je crois que j'en avais déjà parlé, il me semblait que ça me faisait aller légèrement plus vite. Non, non, la baignoire, j'ai plus besoin de toi, on est déjà amis. Maintenant, j'ai même plus besoin de lui parler. Donc là, ça ne sert à rien. Ça, c'est quoi? Oh, pff. Ouais, bon, allez. Ah, j'en ai plus. Ah bah non, bah alors non. Si j'en ai plus, tant pis. Ah mais non, mais alors change de cible, toi. Oh! Il est pas encore mon ami, lui, si? Je crois pas, hein. Ok, par contre, ce serait bien que l'autre m'attaque pas! Mince. Ok, les autres, ils arrivent pas à le tuer, en plus. Je sais pas combien de vie il a, mais les autres n'arrivent pas à le tuer. Et parce qu'ils tapent tous la boîte, en fait. Ok, il m'attaque pas, c'est très bien. C'est bon! C'est bon, je l'ai eu, ouf. En plus, il y a Lulugub qui est arrivé, donc tant mieux, tant mieux. Allez, vas-y, Lulugub, donne-moi ton coffre. Et il va y avoir quoi? Une pièce de Big Mokai, allez, s'il vous plaît. Eh ben non, une arme. Les pièces de Big... Enfin, je sais qu'on peut pas trouver de pièces de Big Mokai telles quelles dans les coffres. Enfin, peut-être que si, mais ça doit être assez rare. Mais on peut trouver des fragments. Et les fragments, c'est quand même déjà pas mal. Parce que pour l'instant, j'ai plein de fragments, mais je ne peux composer aucune pièce de Big Mokai. Parce que j'en ai pas assez. Ok, c'est peut-être par là ou peut-être pas, on n'en sait rien. Ah, c'est bon, c'est par là. Donc là, on devrait arriver à la fin, non? Quand même, à un moment. Ah, c'est bon! Ok, la voilà, vas-y. Ah, multime, yes, valse des esprits! Elle a pris cher, là, la pauvre. Elle a pris carrément cher. Mais elle me met cher, par contre, hein. Vas-y, bim! Elle va mourir, c'est bon! Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, c'est tout, sérieusement? C'est quoi? C'est un coffre de combien? De 21? Enfin, un bouclier de 21, c'est vraiment pas ouf, hein. Bon, bah on s'en va. Je pensais que cette mission allait être un peu plus rentable que ça, finalement non. Enfin, on a gagné peut-être pas mal leur bonnie. Ça, c'est déjà ça. C'est plutôt cool. Donc je vais aller revendre tous mes objets. Enfin, en tout cas, les glisser dans un coffre pour pouvoir les revendre. Puis après, on va passer à la mission suivante, hein. Ouais, c'est ça, on a rien gagné, hein. Rien du tout. Si, on a gagné deux trucs comme ça, d'accord, c'est bien. Et ça, ah bah c'est tous des nouveaux, d'accord. Et donc lui, c'est Fulozukin. Fulozukin, d'accord, et c'est un rang E, j'avais raison. D'accord, on a eu qu'un seul rang D. C'est vraiment pas dingue, hein. Mais c'est cool, on a de plus en plus de yokai dans notre médaillon, c'est très bien. La Sumochi, lui, on pourra faire... Bah on peut faire la fusion. Alors en fait, c'est que j'ai pas encore débloqué les fusions. Parce qu'en théorie, je pourrais... Mais j'ai pas... parce que j'ai les deux yokai pour la fusion. Mais j'ai Darabajwa et Sumochi. Mais sauf que j'ai pas encore... j'ai pas encore débloqué les fusions. Donc tant pis. Eh bien c'est parti pour la mission suivante. Monsieur Spock, il m'a donné des espèces de cristaux. Je sais même pas pourquoi. Donc on va aller voir ça. Les cristaux, ils sont là. Bon, il m'a donné des cristaux. Je ne sais pas bien pourquoi. Mais il me les a donnés. Donc écoutez, tant mieux pour nous. Alors... Voyons voir, ok, un boss, donc c'est pas un big boss, mais c'est encore un boss, bon bah, ok, c'est reparti. Je suis quand même sacrément déçu du Bingo Kai, surtout que je remarque qu'en fait, les pièces de Bingo Kai dans ce Yokai Watch, elles se débloquent, mais
extrêmement lentement, quoi. C'est juste dingue, quoi. On met super longtemps à en avoir. Après, bon, on peut scanner des médailles pour en avoir plus, mais pour le moment, c'est vrai, je l'ai pas fait. Je pourrais le faire. Je pourrais le faire, ouais. Bon, je verrai ça. Bon, en tout cas, nous, comme d'habitude, on va essayer d'aller au plus vite. J'ai vidé mes poches. Donc, c'est très bien. Comme ça, je vais pouvoir ramasser les différents objets. Et on commence par un bouclier, d'accord. Hein. Très bien. Vas-y, ça c'est quoi? Lui aussi, il est nouveau dans Yuka Watch. Oh là là, les dégâts qu'il a fait à Komasan! Vous avez vu? C'est chaud, je pensais pas qu'on pouvait faire... Oh non, à Jibanyan. Je pensais pas qu'on pouvait faire autant de dégâts comme ça, quoi, c'est chaud. Et là, les yokai ennemis deviennent de plus en plus balèzes. Hein. Faut que je commence à faire très attention. Allez, meurs! Bon, j'arrive pas à le... Enfin, si je le tape, mais sauf qu'il est protégé. Non, c'est bon, je l'ai eu quand même. Non, allez. J'ai pas besoin qu'il redevienne mon ami. Ça ne sert à rien. Une épée. Là-haut, qu'est-ce qu'on a? Oh, une pièce de Bingo Kai, sauf que j'ai pas ce qu'il faut. Non, j'ai pas ce qu'il faut. Bon, bah, écoutez, on va essayer de la taper normalement, hein. Parce que j'ai pas du tout ce qu'il faut, donc... Mais ça va être quoi comme pièce de Bingo Kai? Parce que je sais pas si c'est un truc que j'ai déjà en partie ou pas. Ah, une pièce, une étoile. Bah, j'en ai beaucoup de morceaux, hein. Je sais pas si j'en ai assez, mais en tout cas, j'en ai beaucoup. Et voilà, on nous donne le truc vert juste après que... Enfin, juste dès que j'en ai plus besoin, quoi. Truc de ouf. Ça, c'est vraiment ma chance. Enfin, ma malchance, plutôt. Allez. Allons voir là-haut. Il y a rien du tout. Là, je suis sûr que ça permet de relier les deux salles, non? Je pense que ça permet de relier les deux salles, donc ça nous est égal. Vas-y, toi, donne-nous ton coffre. Le coffre, il est où, là? C'est bon, je l'ai ouvert ou pas? Je l'ai ouvert, et il y a quoi dedans? J'arrive... Ah, une épée, une belle épée, non? Oh non, une épée nulle, une épée qui fait 10 points de dégâts, donc en fait, non, c'est vraiment pas du tout une belle épée. Bon, continuons d'explorer tout ça. Là, il y a un passage ou pas? Non, il n'y a pas de passage, donc là, c'est un cul-de-sac, il n'y a rien du tout. Bon. Elle, on peut la tuer vite ou pas? Je pense que oui. Et lui, là. Ah, sauf qu'après, il va nous donner un coffre, mais le coffre, il va le cacher derrière le mur, donc moi, je le vois plus, le coffre. Allez, ouvre-le. Oh, un truc d'invisibilité. De toute façon, j'ai bientôt mon coffre qui est plein. Ouais, enfin, mon coffre. C'est pas vraiment mon coffre, mais enfin, vous m'avez compris, quoi. Ma sacoche, voilà. C'est ma sacoche qui était bientôt pleine. Oh là là, ça n'a toujours pas l'air d'être par là. Voyons voir. Ah, c'est bon, c'est ici. Allez, c'est parti. En fait, le message qui s'affiche là-haut, je le comprends pas parce que je peux pas le lire, mais je crois que ça veut dire qu'en fait, Komasan a trouvé la sortie. Parce qu'en fait, ça doit être utile quand on joue à plusieurs. Ça nous indique que justement, ben, l'un des joueurs a trouvé la sortie et donc qu'il faut tous aller là-bas, quoi, tout bêtement. Ça doit être ça. Alors, c'est pas par là. Ok, là, y a rien de plus. Ah, elle a plus beaucoup de vie, donc on peut la tuer. Ah bah c'est bon, ils l'ont tué pour moi et elle ne nous donne rien. Même pas une petite orbonie. Même pas un objet que je pourrais même pas garder parce que j'ai déjà ma sacoche qui est pleine. Ah, ridicule. Oh, un coffre. Vas-y, et il y en a un autre là-bas. Ouais, il n'y a rien de très intéressant en fait. Vas-y. En plus, là, j'ai plus de place. Ouais, là, c'est bon, j'ai plus de place. Bon, tant pis. J'ai eu une petite orbonie. Ça fait plaisir. Là, ça se relie, c'est tout. Ouais, c'est tout, ça se relie. Donc, c'est pas intéressant. Et là-bas, voyons voir. La sortie serait-elle par là-bas? Il y a des chances. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. On arrive dans une autre salle. Et là, ça va être un cul-de-sac, non? Peut-être pas. Non, c'est pas... Un... Enfin, si, c'est un cul-de-sac, mais là, il y a une pièce de Bingo Kai. Yes! Donc, on est quand même pas venu ici pour rien. Vas-y. Wow. Et on a... Mais là, on a peut-être suffisamment de fragments, non? Peut-être, je ne sais pas du tout. Oula, Komajiro, il est presque mort, là. C'est bon? Ok, j'ai tué le yokai ennemi, mais par contre, Komajiro, ouais, il a plus de vie. Donc, vas-y, soigne-le. Il en a besoin. Ah, c'est bon. Elle donne quand même beaucoup de vie. Ça, c'est cool. Vas-y, re-soigne-le. Très bien. Elle devrait aussi se soigner elle-même, parce qu'elle va commencer à en avoir besoin, quand même. Ok, super. Elle, ouais, on la tue avant que ce soit elle qui nous fasse mal. C'est bon, elle redonne des vies à moi. Très bien. Donc j'ai toutes mes vies. On va aller voir en bas. Je vais essayer d'éviter les... Oh là là, d'éviter les yokai. Ah mince, il m'a vu.
Il m'a vu. Il m'a vu, en plus il me bloque. Là. Oh mince. Ça, ça fait mal. Oh, il est presque mort, donc on peut le finir. Ouais, on pouvait le finir, là, il était presque mort. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, rien du tout. Enfin, si, il y a un truc quand même, mais un truc nul. Donc, c'est inutile. Ouh, très bien. Et là, la sortie serait-elle par là-bas? En tout cas, il y a une autre salle. Ça, oui. Voyons voir. J'ai failli encore me coincer derrière le canon. Ça m'arrive tout le temps. Oula, Komasan est mort! Enfin non, Jibanyan est mort. Pourquoi je l'appelle Komasan? Ça m'est jamais arrivé de confondre Komasan et Jibanyan. Je ne sais pas pourquoi, là ça m'arrive. C'est très bizarre. Voilà, il serait peut-être temps de redonner des vies à certains de nos yokai, là. Ah, là il y a un truc qui redonne des vies. Donc ça pourrait être bien. Ok, comme ça, Komasan regagne des vies. C'est bien. Elle redonne des vies à Komajiro, mais c'est pas grand-chose. Hein. Par rapport à tout ce qu'on a perdu, c'est pas grand-chose. C'est bon, il est mort, avant d'avoir pu nous taper. C'est très bien. Et là, je vais charger mes flammes. Ok, j'ai pas eu le bon. J'ai pas eu le bon. Mais c'est bon, on l'a eu quand même. Ok, très bien, très bien. Et là, donc, c'est bien un cul-de-sac, alors. Hein. Ok, ça, on s'en moque. Ouais, d'accord, c'est bien un cul-de-sac, encore une fois. Et je perds le site de ma 3DS, ça m'arrive tout le temps. Bon, allez, allons voir à gauche. Attendez, j'ai bien tout exploré là-haut, hein. Je crois que oui. Oh là là là, là on... Ok, c'était sûr que ça allait nous faire mal. Vas-y. Ok, c'est bon. Je l'ai enflammé. Je suis déjà mis? Bonne question. Je n'en sais rien du tout. Bah, de toute façon, pendant ce temps, elle va redonner des vies à nos yokai, donc c'est très bien. Super, ok. Un yokai de plus. Ou pas, hein, comme je dis, je ne sais pas du tout si j'étais déjà son ami. Attendez, mais... On va se retrouver bloqué, là? Ah non, c'est bon, il y a un chemin par ici. Je me disais, j'ai tout fait, et je trouve pas de chemin, finalement, si c'est bon. En fait, les yokai ennemis, ils arrivent à me faire mal, parce que, en fait, je les tape pas. Et comme je les tape pas, eux, ils en profitent pour me taper, et donc c'est ça qui me fait mal. Si je m'occupais d'eux, finalement, il y aurait aucun problème, parce que regardez, là, dès que je m'occupe d'eux, c'est easy, en fait. Ça ne sert... Enfin, il me faut rien du tout. Mais attendez, mais... Quoi? Et là, on peut aller par où? J'arrive pas à voir où on peut aller. Alors lui, je crois que je suis pas ami avec lui. Mais là, je suis un peu bloqué, en fait. C'est comme si j'avais tout exploré, et pourtant, je trouve pas la sortie. Bon, ok, je deviens ami avec ces galopins, mais... Bah, falloir que je longe les murs, hein. Et il y avait un passage juste ici, en bas. D'accord. Bah ça, je pouvais pas beaucoup le voir, en fait. En plus, j'avais loupé une pièce de Bingo Kai, donc finalement, bah tant mieux d'être revenu ici, hein, c'est pas pour rien. Voyons voir. Donc là, il me faut le bleu. Et... Ok, très bien. Donc là, j'ai peut-être une pièce de Bingo Kai en plus. C'est possible que oui. C'est possible que non aussi, mais bon, il y a quand même des chances. Si j'ai une pièce de Bingo Kai en plus, j'irai la jouer à la fin de la vidéo. Mais comme je dis, j'en suis pas tout à fait sûr. Et on arrive au boss, là, ou pas? Je crois toujours pas, hein. Ah non, toujours pas. Ok, ça, c'est quoi? Ok, c'est pas une pièce de Bingo Kai. Mais on va la prendre quand même. On va la prendre quand même. Vas-y. Wow. C'est impressionnant, quand même. Là, il y a un Yuke qui veut devenir mon ami. Et lui, je l'ai pas, hein. Lui, je l'ai pas. Cette espèce de petit squelette, je l'ai pas. Donc, allons-y. Non! J'ai déjà loupé un truc! Oh ok, j'en avais loupé deux, mais en fait, on a largement le temps. On a quand même largement le temps. Mais après, ça doit dépendre des yokai, parce qu'il y a peut-être des yokai un peu plus avancés qui, eux, pour le coup, par contre, sont beaucoup plus... Enfin, nous laissent beaucoup moins de temps. Je ne sais pas, hein, je devine. Mais j'ai encore jamais été jusque-là, donc comme je vous dis, je n'en sais rien. Là, ok, il y a rien. Enfin, on descend quand même. On fait tout le tour. Comme ça, au moins, c'est fait. Et par là. Ok, une autre salle. Bon, je dis, je fais le tour, hein. Je longe les murs. À force de longer le mur, on est obligé de trouver la sortie. Hein. C'est une obligation. À moins de louper une sortie comme je l'avais fait tout à l'heure. Ok, là, déjà, il n'y a rien. Là, ils m'ont donné des trucs, les yokai qu'ils ont tués sur la route.
J'ai l'impression qu'ils ont pas tué grand monde en fait. Ils en ont peut-être tué un ou deux, mais pas plus que ça. Ah mince, j'ai toujours mon arme. Non, non, change. Ah mince, j'ai plus de munitions devant. À chaque fois, j'oublie. C'est pas pratique le concept de l'arme en fait. Ok, non. Allons voir par là-bas. Oh, ça va être encore un étage gigantesque, vous allez voir. Et je comprends pourquoi je peux pas passer à gauche du canon. Parce que normalement, j'ai largement la place. Mais là, ils me disent que non. Donc, bah écoutez, tant pis pour moi, hein. C'est comme ils veulent. Là, il y a un coffre qui est bloqué. Il y avait un coffre qui était bloqué derrière le canon. Heureusement, j'ai pu l'avoir quand même. Mais what? Oh non! Bon, la téléportation m'a pas emmené si loin que ça. C'est pas si grave. Par contre, me retrouver bloqué par des yokai, ça j'aime pas trop. Bon, heureusement que ça me vaut quand même des orbonies. Et heureusement que les yokai ne regagnent pas de vie, hein, les yokai ennemis. Ça c'est plutôt cool, ça c'est quoi? Oh non, un truc pour avoir plus de chances de devenir ami. Donc non. On va aller voir par là-bas, hein, mais je n'en sais rien du tout. Eh non, j'ai l'impression que ça me ramène au début, ça. Hein. Peut-être pas, hein, mais... Ouais, si, ça ramène carrément au début. Hein. Bon, il y avait un coffre, mais je vais l'ouvrir quand même. Parce que vous m'avez dit, dans les coffres, il peut y avoir des pièces de Bingokai. Ça m'est rarement arrivé, mais vous m'avez dit ça dans les commentaires. Donc j'essaye, hein, on ne sait jamais. On va aller sur le chemin qui est à droite en haut, là. Parce qu'à part ça, je ne vois pas vraiment... Attention, c'est le seul endroit où je suis pas allé. Après, ça veut pas dire que ça ne nous emmène pas entre-temps vers une autre salle, mais... Mais en tout cas... Il y a des chances que ce soit par là. Oh, vas-y. Et il nous donne quoi? Rien de bien, une vieille épée. Ah, c'est bon, la sortie. Et là, c'est bon le boss ou pas? Ouais, la musique se tait, donc... Non! Non! La musique s'était tue, donc j'étais persuadé qu'on arrivait au boss, et finalement non. 14, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a un 14 là en bas? Ah, il y en a un qui veut devenir mon ami. Ouais, mais il est déjà mon ami. Donc ça m'intéresse pas non plus. Et... Bim! Ok, c'est bon, ça a suffi à le détruire. Et là, bah continuons, hein, la technique de faire le tour. Comme je dis, c'est la technique qui marche le mieux. Là, c'est quoi? Pas une pièce de Bingokai, donc ça ne nous intéresse pas. Cet étage a l'air encore une fois gigantesque. Vu comment se développe la map... Oh! Mais il a l'air gigantesque, mais en tout cas, on a trouvé la sortie directement. Donc c'est pas mal. Oh oh oh, le boss. Qu'est-ce que c'est que ce boss? Il est trop bizarre, mais je l'ai déjà rencontré, lui, non? Ah, c'est peut-être l'évolution du machin que j'ai déjà rencontré. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen que ce soit l'évolution du machin que j'ai déjà rencontré plus tard, là, l'espèce... Enfin, plutôt, l'espèce de point d'interrogation, là. Ouais, je pense que c'est ça. Et voilà, salut à toi. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Oh, une relique. Voyons voir. En quoi va se transformer cette relique? Je ne sais pas. J'espère un truc cool. Puis après, je vais aller voir Ratatam. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Ou Super Noël. Le vert, c'est Super Noël et le rouge, c'est Ratatam. Je crois que c'est ça. Donc on ira voir Super Noël pour voir s'il peut nous transformer. Ah bah ça va nous le dire maintenant, de toute façon. Et là, on a quoi? Oh! Une pièce de Bingokai jaune. Enfin, un morceau. On a 1 sur 8. Et donc là, ah non, on en a que 5. Attendez, j'en ai 5 à partir de maintenant? Attendez, là 0, ah bah non, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Donc je vais y aller, je vais aller voir Ratatam. Puis là, donc c'est 3 nouveaux yokai, très bien. Donc ensuite on a la cigalope, hein, ce qui est très bien aussi. Et puis on finit par l'espèce de squelette là, que je sais pas comment il s'appelle, ils nous l'ont pas indiqué. Il y avait marqué quoi là, 33, j'ai 33 yokai dans mon médaillon. Ça m'étonnerait quand même, hein. Ça part un peu trop, la 33. J'en ai carrément pas 33. Hein. Oh! Qu'est-ce qu'il nous dit, la Felipe? Donc, quelqu'un m'a expliqué qu'en fait, l'histoire de Indie Joe, et bah, c'est qu'en fait... Oh! Je crois que c'est un espèce de robot zombie, je sais pas trop quoi. Donc, en fait, l'histoire de Indie Joe, c'est qu'en fait, Indie Joe, donc l'espèce de requin, là, il avait une petite amie requin, yokai, et en fait, eh ben, il y a un sortilège qui l'a transformé en fille humaine. Et donc, en fait, il essaye de trouver une solution pour la retransformer en yokai, voilà. Donc, j'avais pas tout à fait compris, mais c'est ça, en fait, voilà. C'est bizarre, quand même, ils ont des idées bizarres, hein. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a écrit ça dans les commentaires, donc merci à vous. Et donc, oui, ça a l'air d'être le copain du bébé Jibanyan que j'aime bien.
Enfin, on verra, de toute façon, je pense qu'il va finir par rejoindre notre équipe, ou j'en sais rien. Bon, on verra ça, on verra ça. Ah, what? Il nous a donné l'épée. D'accord, je ne sais pas trop à quoi sert l'épée, mais en tout cas, on ira découvrir ça. Et donc là... Quoi? Ben, je sais qu'il me faut 8 morceaux, mais j'en ai pas 8 morceaux. Attendez, voyons voir ça. C'est pas là, c'est là-dedans. Bah ben, si, j'en ai 8. Pourquoi il veut pas? Bah... Bon. Eh bien, il ne veut pas. Eh bien, écoutez, les amis, on va en rester là pour cette vidéo de Yuka Watch Busters 2. J'espère que ça vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut !